Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment brancher correctement son Mixamp sur sa PS3. Alors on commence tout de suite avec les éléments qu'il vous faut absolument pour pouvoir effectuer ces branchements. Alors il vous faut bien évidemment une PS3, votre Mixamp, ainsi que le câble USB d'alimentation et qui va vous servir pour le chat. C'est un câble USB classique, câble USB d'un côté, mini USB de l'autre. Et le câble optique qui est donc fourni avec votre Mixamp lors de l'achat. Si vous n'êtes pas muni de ce câble optique, je vous conseille d'en acheter un puisqu'il y a plusieurs manières de le brancher sur sa PS3, mais en tout cas, le moyen du câble optique reste le plus optimal et celui qui vous rendra le meilleur son, notamment du 5.1 qui est conseillé avec des casques comme l'Astro A40 par exemple, qui est équipé de cette fonction. Alors on commence tout de suite, vous prenez votre PS3 et votre Mixamp, et en fait on va les relier. Donc vous vous munissez de votre câble optique. Alors il faut faire bien attention, il y a deux sorties différentes, une sortie qui est un petit peu plus carrée que l'autre et une sortie qui est toute ronde qui ressemble à une prise jack classique. Alors on va commencer par la brancher sur la PS3. Donc vous prenez votre embout un petit peu plus carré et vous allez à l'arrière de la PS3 et vous voyez qu'ici il y a une sortie digital out. Et c'est sur cette sortie qu'on va se brancher, donc vous faites bien attention au sens sur lequel vous vous branchez. Vous appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic et on a effectué le premier branchement sur la PS3. C'était assez simple. Il ne reste plus qu'à connecter le câble de l'autre côté, donc l'embout un petit peu plus long sur votre Mixamp. Vous récupérez donc votre Mixamp et vous allez venir à l'arrière vous brancher sur la sortie, sur l'entrée plutôt opticale, donc OPT. Vous la branchez, là il n'y a pas de petit clic, il faut juste l'enfoncer à fond, que le câble ne dépasse pas du tout et qu'il soit bien embuté au fond de sa prise. Ça c'était pour relier donc l'Astro Mixamp à la PS3. Il reste plus maintenant qu'à brancher le câble USB qui va vous servir donc à l'alimenter. Alors vous branchez votre câble USB sur un des ports USB de la PS3, n'importe lequel, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Une fois que vous avez branché ce premier câble USB, il suffit d'aller brancher le mini USB toujours à l'arrière de votre Mixamp, comme ceci, sur la prise USB. Une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à brancher votre casque donc qui aura normalement une prise jack comme celle-ci avec une, deux, trois bagues. En fait, quand il y a trois bagues, ça veut dire que il y a le mono, le stéréo et une troisième fonction. En l'occurrence, pour un casque, la troisième fonction, c'est la fonction voix. Donc, ce câble jack 3,5 mm, il vous reste donc à le brancher sur l'entrée, la sortie plutôt, la sortie casque qui se trouve donc juste en bas de votre Mixamp avec le petit logo casque qui est juste ici. Et vous branchez en butée, bien sûr, comme d'habitude. Donc voilà, tout ce qui concernait les branchements, c'est maintenant terminé. On va passer tout de suite à la configuration dans les menus de la PS3. Nous voici donc dans les menus de la PS3. Alors on va tout de suite commencer par la configuration du son de la PS3. Donc si votre PS3 n'est toujours pas allumé, je vous invite à le faire et faire exactement ce que je vais faire tout de suite, c'est-à-dire aller dans Paramètres son, qui se situe juste ici. Ensuite, vous faites paramètres de sortie audio. Et ici, suivant ce que vous avez de connecté à votre PS3, les choses vont différer. En tout cas, ce qu'il faut cocher pour la configuration que nous avons effectuée juste avant pour les branchements, c'est numérique optique. Vous faites flèche de droite. Et à ce moment-là, il faut faire très attention à ne cocher que Dolby Digital 5.1 CAN. Et non pas DTS 5.1 CAN qui ne doit surtout pas être coché. Donc vous cochez seulement cette case Dolby Digital. Alors ces deux cases PCM et celle-ci, vous ne pouvez pas de toute façon les décocher. Donc il faut les laisser comme cela. Une fois que vous avez fait donc cocher cette case, vous faites flèche de droite et vous faites valider pour enregistrer correctement les paramètres. Alors je vous conseille aussi sur la sortie audio multiple. Alors, vous devrez l'activer quand vous utilisez plusieurs périphériques audio. Alors, en l'occurrence, quand vous branchez un appareil, pardon, de capture vidéo, par exemple un Elgato ou un Game Capture,
vous branchez sur votre PS3 et vous voulez que le son sorte non seulement sur votre casque via le mixamp, mais aussi sur l'appareil de capture pour que vous puissiez entendre le son du jeu lors de vos captures. Alors à ce moment-là, il faudra activer la sortie audio multiple. Donc vous faites oui, et à partir de ce moment-là, c'est bon. Vous avez fini de configurer la sortie, enfin les sorties, puisqu'il y en a plusieurs sorties audio de votre PS3. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans les paramètres accessoires pour configurer le chat de votre mixamp. Alors vous vous rendez ensuite dans paramètres des périphériques audio et vous allez donc régler le périphérique entrée sur Astro Mixamp Pro que vous avez normalement branché via l'USB sur votre PS3, donc qui va être détecté, et périphérique de sortie aussi sur Astro Mixamp Pro. Ensuite, vous aurez à régler le niveau de mode de votre microphone comme vous le désirez. En principe, moi sur mon Astro A40, hein, puisque c'est le casque que j'utilise le plus, je le règle à 5 pour qu'on m'entende très bien lors des parties. Voilà, c'était quand même assez simple. J'espère que vous n'aurez pas de problème et que vous aurez réussi à correctement configurer votre Astro Mixamp 2013 avec votre PS3. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit j'aime avant de quitter cette vidéo, et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt, tchuss.